Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pouce Pièce Mania. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la machine Pouce Pièce. J'ai pris pour 20 euros de temps et on débute tout de suite la vidéo. Donc aujourd'hui, la machine, elle est extrêmement remplie. Même si on dirait pas, parce qu'ici au bord, il n'y a pas tant que ça, mais on va pas se plaindre, écoutez pourquoi. Donc au niveau des billets de 20, il y en a 1, 2, 3. Donc ça fait 60 euros au bord. Il y en a un quatrième là-bas tout en haut. Mais voilà, pour les habitués de la chaîne, vous savez, c'est toujours un petit peu difficile. Donc je ne vais même pas le compter. Et il y a également un petit billet de 5 euros juste ici. Et au niveau des bonus, il y a deux bonus multiplicateurs ici, les dés rouges qu'on voit. Donc on pourrait en tenter au moins un. Et il y en a aussi deux sur la partie haute, sur la partie qui bouge. Mais ça va un petit peu loin. Honnêtement, ici, je vais tenter de faire mon maximum. Si je prends 25 euros... 45 euros, et ben je suis content. Vous allez dire, ouais, c'est peu et tout, mais honnêtement, je le sens bien. Regardez, là, il y a le 20 euros qui est complètement déplié ici au début. Je pense qu'on peut l'avoir, c'est assez centré, donc voilà. Et ouais, j'ai même pas parlé alors que c'est un petit peu le mastodon. Toute la bordure ici, elle est entièrement recouverte de jetons bonus, donc tous les jetons blancs qu'on voit, ils ont chacun une valeur de 5 euros en jetons. Échanger pour faire plus de parties, donc c'est pas un billet, c'est pas du cash, mais on peut les échanger pour des buy-in, donc indirectement ça c'est la même chose et ça a son intérêt. Allez, là je vais essayer de pousser d'avoir directement le 20 euros et le 5 euros pour directement faire du bénéfice. Et regardez, ça bouge déjà. Il y a le 5 euros, j'ai l'impression qu'il appuie. Ouais, on dirait qu'il est replié en fait. Donc le 5 euros, on dirait qu'il appuie directement dessus, donc c'est super. J'ai toujours une option pause que je vais utiliser tout à l'heure, qui va me permettre de faire avancer en une seule fois, j'espère, faire un gros coup. Donc voilà, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Yes. Ok, ben directement 20 euros. Et vous avez vu, c'est grâce au jeton blanc là qui est tombé ici à droite, parce qu'en fait, il a un diamètre plus important. Donc forcément, quand il tombe, eh ben, il fait pousser beaucoup plus de choses, quoi. Ah, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais essayer de jouer sur la... Ah, j'ai envie de jouer sur la droite ici pour les 25 euros, mais ici il y a 20 euros et le bonus, donc c'est pas évident. Donc on va jouer de manière uniforme, on va essayer de faire avancer le tout de manière plus ou moins équilibrée. Ah, c'est une bonne nouvelle ça, directement en bénéfice. Ça fait une ou deux parties ainsi que dès que je la débarre, je veux dire en moins de 5 minutes, je suis pas en bénéfice mais je suis break-even. Donc je suis assuré de ne pas perdre d'argent. Forcément, niveau détente, c'est beaucoup plus cool. Ça enlève une grosse partie du stress, même si on est là pour s'amuser. C'est toujours mieux de savoir qu'on est déjà plat. Voilà. Ben, mettez un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu si vous aussi vous aimez quand vous jouez directement et break even. Bien qu'il y ait d'autres pièces qui tombent pour faire la même chose qu'ici avec le diamètre beaucoup plus gros. C'est vraiment ça qui m'a sauvé. Si c'était une pièce normale qui était tombée et pas le bonus, je pense pas qu'on aurait eu le billet. Ah, là il y a le 5 euros qui se met à trembler. Peut-être qu'on peut aller le chercher. Il y a le 20 euros juste derrière, donc ça m'intéresse. Oula, ça avance bien là. Jouer un peu sur la gauche. Des fois, quand on veut que ça tombe à droite, il faut jouer à droite, à gauche et inversement. Yes! Ok, super ça. C'est une bonne nouvelle. Je vais récupérer les gains après, en même temps que les pièces. Je vais d'abord jouer toutes les pièces qui me restent et après je vous montrerai tout ça. Mais donc là, on est en bénéfice de 5 euros. C'est une super nouvelle. Et ici, bah, directement, je vais tout doucement devoir faire un choix. Je pense que je vais me diriger vers ici. Hein. Parce que soit je joue 20 euros et un bonus ici, soit je joue 20 euros et un bonus là. Mais ici, c'est beaucoup plus près. À la fois le billet et à la fois le bonus. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc on va se concentrer un petit peu sur la gauche, du moins pour l'instant. Sur la gauche et au centre. Pas mal.
Oula, ça c'est bien. Ouais, c'est effectivement très très bien quand ça pousse un... Oh, regardez le biais de 20 ici. On joue à gauche et au final c'est à droite que ça avance. Ça c'est une bonne nouvelle. Bah, donc je vais peut-être jouer un peu à droite pour essayer de gagner à gauche. J'avais même pas vu qu'il avait dépassé l'autre. Ça c'est grâce à toutes les pièces qui sont tombées en même temps. Quand ça pousse de manière uniforme, c'est là qu'on fait les plus beaux mouvements. Là, je vais utiliser mon option pause après ça. Yes, ok, bah 45 euros, donc 25 euros de bénéfice déjà. Potentiellement beaucoup plus si je réussis à gagner le bonus. Ici, je ne vais pas faire pause, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, je voulais faire pause pour avoir le billet, mais comme je viens de l'avoir, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée parce qu'avec la pente sur le bord, j'ai pas envie que le mouvement fasse glisser les dés parce qu'il a, il a été trop, trop violent en fait. Et les bonus, là, les dés, si ça vient trop fort, et bien ils vont rouler en arrière. Ça, c'est l'expérience qui parle. Dites-moi dans les commentaires si ça a du sens ce que je viens de vous dire ou si vous auriez fait pause de toute manière maintenant. Là, je vais essayer de gagner le dernier bit 20 ici au bord. Ah, ce serait super de vider la machine ainsi. En tout cas, objectif atteint. Ce que j'avais dit 25-45. Là, on est à 45 euros. J'espère vraiment avoir un des bonus. Pourquoi pas les deux d'ailleurs. Ça, ce serait vraiment bien. Si on multiplie 45 ou 65 avec deux bonus, on peut faire un gros bénéfice. Allez, je récupère les gains, on va voir. On est pas mal hein, au niveau des gains. On a récupéré tout ça de jetons. Notre billet de 20, le premier. Deuxième billet de 20, 40 euros. Et le billet de 5 euros qu'on a gagné. Donc 45 euros au total. Donc c'est pas mal de pièces hein, comme je vous ai dit. Donc on va jouer là. Honnêtement, là il y a le 20 euros, les deux bonus. Je pense que ça vaut la peine de jouer. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Même si on ne gagne plus rien. Et comme je vous ai dit. Ah ben voilà, lui il a glissé en arrière. À droite par contre, on pourrait peut-être la voir. Mais là je me sens pas d'attaque à utiliser l'option pause. Parce que ça va être trop violent et comme ils sont juste sur la pente ou en bas, ça va pas nous être une grande utilité. Là il a un petit peu de mal. Alors que le mouvement est pas extrêmement violent. Le billet de 20 euros lui par contre il bouge pas trop. Il recule même j'ai envie de dire. Dites-moi dans les commentaires. Vous avez vu reculer vous aussi. Au niveau des jetons qui étaient sur la partie haute, il n'y en a pas beaucoup qui ont avancé. Il y en a un là, et celui-là qui nous a fait gagner le premier billet de 20. Et lui, je ne sais pas s'il était déjà dans le jeu ou s'il est tombé aussi, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, tous ceux qui étaient au bord, ils sont encore sur le plateau. Donc je ne sais même pas si c'est possible de les gagner quand ils sont là. Ça a vraiment bien reculé, je vais essayer de gagner le bonus à droite. Je pense qu'on peut l'avoir là. Là, il est bien positionné. Yes! Ok, c'est bon. Yes! Ça fait plaisir. Il est là. Et au niveau des pièces, j'ai pas tout ça. Donc, franchement, on est vraiment bien. Par contre, le billet de 20 et le bonus, ils m'ont l'air d'avoir bien reculé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bonus multiplicateur sur les 45 euros que j'ai déjà gagné. Tant pis pour le 20 euros qui reste. Et donc voilà, et potentiellement ça peut faire un gros bénéfice, en tout cas même si ça fait 1, on est déjà en bénéfice, donc ça c'est pas mal. Donc je vais appeler l'équipe du casino, leur demander d'installer tout ça et je reviens juste après. On est de retour, donc comme vous pouvez voir, tout ce qu'il y avait à gagner a été retiré. Il y a un premier billet, les bonus ici multiplicateurs, les autres bonus
de jetons ici à droite avec l'autre billet. Et ils ont installé notre bonus multiplicateur. Donc si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, notre but c'est très simple, ça va être de venir de le faire rouler sur la partie du bas et le chiffre qui va afficher va multiplier nos gains. Donc aujourd'hui on a gagné 45 euros, donc on va essayer de faire le maximum. C'est parti. Yes, 6. Ok, super. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est le meilleur résultat possible. Donc, que je dise pas de bêtises, 6 fois 45, ça fait 225 plus 45, ça fait 270 euros si je dis pas de bêtises. Donc 250 euros de bénéf. Ça c'est vraiment une bonne journée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si c'est le cas. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.